Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je trouvais ça important d'aborder un sujet controversé par rapport au futur de l'intelligence artificielle dans la photographie. Est-ce que le photographe court à sa perte dans un futur proche? On aborde entre autres le sujet de la créativité humaine versus celle de l'intelligence artificielle. On va parler du rôle futur des photographes dans l'industrie. On se penche sur le sujet de l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle en photographie. Bref, si l'intelligence artificielle dans le futur de la photographie, ça vous intéresse, vous allez aimer la vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que j'en parle avec des collègues photographes, avec des amis, même avec ma famille. Je mijotais l'idée d'une vidéo sur le sujet, mais c'est particulièrement quand j'ai lu le commentaire de Free784 dans ma dernière vidéo sur les nouveaux outils d'intelligence artificielle de Luminar NIO que j'ai réalisé que j'étais pas toute seule à vraiment me poser la question. Il mentionne dans son commentaire « Pour ce qui est de la lumière de studio, je suis à la fois bluffée et sur mes gardes. Tout d'abord parce qu'un photographe professionnel qui se donne la peine en studio de placer ses lumières, ses spots, ses fonds, va sans doute réagir devant tant de facilités qui lui coupent l'herbe sous le pied. À chacun d'apprécier, là encore, j'espère qu'il gardera son esprit d'artisan pour sculpter ses lumières comme il l'entend avec son modèle. » J'ai beaucoup aimé son commentaire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il garde l'esprit ouvert sur les aptitudes de l'intelligence artificielle. Il ne ferme pas la porte à ceux et celles qui pourraient trouver ça intéressant, ou même pour lui-même, d'utiliser un outil d'intelligence artificielle comme Lumière Studio dans Luminar NIO pour agrémenter ses photos. Mais il reconnaît aussi que là, si on est capable de rajouter des effets de lumière en post-production, qu'est-ce qui reste du photographe qui a pris des années à perfectionner son art, à travailler la lumière, qui a dépensé son argent pour créer un studio pour pouvoir offrir un service exceptionnel? Et c'est là toute l'ambiguïté du débat. Peu importe votre avis pour le moment par rapport à l'intelligence artificielle, on peut pas se mettre la tête dans le sable. C'est là, les gens l'utilisent. Si on embarque dans le bateau, est-ce que ça veut dire qu'on va faire des choses comme tout le monde? Ou si on laisse passer le bateau, est-ce qu'on va manquer une occasion ou même est-ce qu'on peut devenir désuet? L'intelligence artificielle est rendue partout, autant dans les boîtiers de nos appareils photo, où maintenant l'autofocus peut presque prédire où un sujet va se déplacer, il est capable de reconnaître un squelette humain, il est capable de reconnaître des trains, des avions, des animaux, des voitures. Autant qu'il est après, en post-production, on peut rajouter des choses qui n'existaient pas, qu'on peut rajouter de la lumière, des objets, des effets spéciaux, qu'on peut recadrer, qu'on peut changer un visage, qu'on peut rajouter des personnes. Mais je sais même pas moi-même quoi répondre, tellement c'est gros, puis tellement c'est juste le début. Et là, j'ai envie de me pencher sur un premier débat qui est la compétence photographique versus l'automatisation. L'intégration de l'IA dans la photographie a apporté une révolution dans la manière dont on capture, édite et partage les images. Des tâches qui étaient autrefois laborieuses, telles que la correction de l'exposition, la suppression des yeux rouges ou la classification des photos, peuvent maintenant être effectuées en un clin d'œil par des algorithmes d'IA. C'est effectivement un genre d'automatisation qui est avantageux pour les photographes. Mais là, est-ce que l'intelligence artificielle remplace les compétences humaines? L'automatisation, c'est excellent pour effectuer des tâches répétitives et techniques, ce qui peut vraiment grandement nous faciliter la vie. Par contre, ce que l'IA peut pas faire, c'est d'apporter une vision créative artistique unique. La créativité et la capacité à capturer des émotions humaines sont des aspects fondamentaux de la photographie qui dépendent de l'œil et de la sensibilité artistique du photographe. On pourrait voir ça comme une façon de travailler en complémentarité avec l'intelligence artificielle. L'IA fait les tâches répétitives et plutôt plates du photographe, ce qui va laisser plus de temps au photographe pour faire les choses qu'il aime vraiment faire. Léo? Oui? Oh mon petit poilu! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller voir les oiseaux? Va voir les oiseaux. Léo! Je veux faire ma vidéo, mon Italien. Un autre point controversé, c'est est-ce que l'intelligence artificielle aide à la créativité du photographe ou au contraire lui nuit? Dans un sens, l'IA peut être un assistant de la création. Les algorithmes IA peuvent analyser des milliers d'images pour générer des suggestions de composition, de couleurs et de styles. Ça peut vous inspirer à avoir des perspectives que vous n'auriez pas envisagées autrement. L'IA peut aussi automatiser des retouches de base, comme par exemple enlever des imperfections dans un portrait, ce qui permet au photographe de peaufiner d'autres aspects créatifs dans l'image. Mais l'intelligence artificielle a aussi ses limites en matière de créativité. L'IA
va se baser sur des données et des modèles préétablis. Elle ressent pas d'émotion et elle comprend pas c'est quoi la subjectivité artistique. Elle peut manquer la nuance et le contexte que seul un être humain peut apporter. Un des grands risques, sinon le plus grand risque à mon avis dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est le risque de standardisation. Si on s'appuie trop sur l'intelligence artificielle pour la création, toutes nos images pourraient juste finir par se ressembler. Possiblement que la clé dans la question de l'intelligence artificielle versus la créativité humaine, ça réside dans l'équilibre. L'IA peut être un partenaire du photographe pour sauver du temps, elle peut nous aider à améliorer notre productivité, à découvrir des nouvelles idées, mais je crois que c'est important de garder le contrôle et de conserver votre perspective artistique unique. Là, t'es tannant, là! Dépendant affectif. Une autre controverse par rapport à l'intelligence artificielle dans l'industrie de la photographie, c'est ça va être quoi notre rôle à nous, des photographes, dans le futur? L'IA a apporté des changements significatifs dans la façon dont on pratique la photographie. Elle a la capacité de produire des images de haute qualité en un clin d'œil. Ça peut naturellement soulever des préoccupations quant au futur de notre profession. Un des points forts que l'intelligence artificielle peut pas encore faire comme un être humain, c'est le pouvoir de la narration. Nous, les photographes, on peut capturer des moments, des émotions et des histoires qui sont uniques à travers notre objectif. Il y a aussi le fait que l'intelligence artificielle peut prendre des photos, mais elle ne peut pas en créer. La création implique de la réflexion, de l'inspiration, de la planification et de l'interprétation. Même si l'intelligence artificielle peut suggérer des compositions, elle ne comprend pas la signification derrière chaque image. Si on considère l'IA comme un outil et non comme un artiste en soi, ça peut nous aider à évoluer avec la technologie. Je peux imaginer les photographes qui étaient habitués de photographier en argentique et là, tout d'un coup, le digital est arrivé. Il y en a probablement une gang qui ont décidé de pas adhérer à l'idée du digital et d'autres qui ont embrassé la nouvelle technologie et qui ont pu continuer d'évoluer dans le temps. Alors, comme dans n'importe quel autre domaine, et c'est l'histoire de la vie, l'évolution, même si c'est inconfortable, et je suis la première à aimer la routine, à être à l'aise avec ce que je connais puis ce que je suis habituée de faire, mais je pense que si je prends pas le temps de comprendre et d'explorer les nouvelles possibilités qui sont offertes avec l'intelligence artificielle, je vais passer vraiment à côté de quelque chose. Un autre gros aspect qui porte à la controverse, c'est la dévaluation du travail des photographes professionnels. En voyant toutes les possibilités de l'IA, c'est une question légitime de se demander si le travail d'un photographe professionnel va toujours conserver de la valeur. Un gros élément qui a été engendré par l'IA, c'est la concurrence des prix. Les outils d'intelligence artificielle permettent aux amateurs et aux semi-professionnels de produire des images de qualité sans avoir à investir des années dans l'apprentissage de techniques complexes. Ça veut dire que le marché est présentement inondé avec des photos de haute qualité qui vont être vendues à des prix souvent inférieurs que celles créées par les photographes professionnels. Ça veut dire que les clients ont accès à plus d'options, ce qui peut grandement les inciter à chercher des services photographiques qui sont moins coûteux. Puis là, vous vous en douterez, naturellement, il y a plusieurs photographes professionnels qui ont vu leurs revenus diminuer. Pour un photographe professionnel, son atout principal reste son image de marque. Les clients cherchent souvent des photographes qui correspondent à leur style et à leur vision artistique. Ils sont prêts à payer davantage pour des services personnalisés qui répondent à leurs besoins. Là, il y a le revers de la médaille. Pour les photographes professionnels, au lieu de voir l'IA comme une menace, ils pourraient l'intégrer dans leur travail pour leur permettre de devenir aussi compétitifs et concurrentiels que les autres photographes. En accélérant certaines tâches comme la retouche, la classification et la recherche d'images, ça va permettre de consacrer plus de temps à la création et à l'interaction avec les clients. Je pense qu'il y a deux manières de voir cette question-là. Soit qu'on va penser que l'IA est là pour remplacer le photographe, ou soit qu'on va penser qu'il est là pour soutenir le photographe professionnel. Et la manière dont on voit les choses va avoir un gros impact sur la façon dont on travaille ou pas avec cet outil-là. L'intelligence artificielle, ça n'a pas juste un impact pour les photographes professionnels, ça en a aussi pour les photographes amateurs. Si je pense par exemple à l'IA intégrée dans les boîtiers d'appareils photo, la plupart des boîtiers peuvent maintenant automatiquement ajuster plusieurs paramètres comme l'exposition, la balance des blancs, la mise au point, ce qui va grandement aider les photographes débutants à obtenir des très belles photos, même s'ils connaissent aucune théorie technique, ni même le triangle d'exposition. C'est la même chose du côté de la post-production pour les photographes amateurs qui n'ont aucune connaissance dans les logiciels
logiciels, les outils d'IA vont leur permettre d'améliorer leurs photos et d'avoir un résultat professionnel en 2 secondes. Donc, on peut voir ça puis se dire « Wow, c'est vraiment super pour les photographes amateurs, pas besoin vraiment de rien connaître, on peut prendre un appareil photo, prendre des belles photos, traiter nos images puis avoir un résultat qui va avoir un look aussi professionnel qu'un photographe que ça fait 10 ans qu'il en fait. » Mais faut pas perdre de vue que les connaissances de base, ça fait partie de la créativité. L'autre élément important à noter par rapport à la facilité de l'utilisation d'intelligence artificielle pour les photographes amateurs, c'est la dépendance technologique. C'est tellement facile et rapide à utiliser qu'aujourd'hui, un photographe amateur n'a plus vraiment de raison d'avoir besoin d'apprendre les bases de la photographie parce que tout est fait pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive le jour où l'Internet explose et l'intelligence artificielle n'existe plus? Ce photographe-là va avoir aucune connaissance technique pour pouvoir évoluer. Une autre grande question de controverse, c'est l'éthique. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on doit tracer la ligne dans la manipulation des images? J'ai vu, et je trouvais ça super, super drôle, un gars qui avait rajouté dans Photoshop comme s'il avait été mangé au restaurant avec Taylor Swift. Ou j'ai vu sur Instagram des vidéos générées par l'intelligence artificielle où on voit des présidents des États-Unis qui font un débat ensemble avec des propos que c'est clair qu'ils n'ont jamais tenus dans la vraie vie. Et ça ouvre vraiment la porte à des questions éthiques complexes. La retouche automatisée peut améliorer la qualité de nos photos, mais elle peut également être utilisée de manière trompeuse. En tant que photographe, c'est essentiel de se poser la question où est-ce que vous traceriez la ligne entre l'amélioration légitime et la manipulation abusive? Je suis la première à manipuler mes images, dans le sens où je vais manipuler la couleur, je vais manipuler la composition. S'il y a des objets que je veux plus voir dans l'image, je vais les effacer. Je vais améliorer les yeux de mes portraits, je vais améliorer le grain de peau, le contraste, la saturation, mais quelqu'un qui rajoute un lac dans un désert avec une voiture qui n'existait pas, avec un coucher de soleil qui n'était pas là, bref, que la photo est totalement recréée de A à Z et que ça n'a jamais été fait dans la vraie vie, c'est avec ça que j'ai un petit peu plus de misère. Mais encore là, même avant l'intelligence artificielle, il y avait plusieurs photographes que leur art, c'était de faire du photomontage et c'était de créer de façon ultra artistique des photos à partir de plusieurs éléments qu'ils avaient eux-mêmes pris en photo pour créer des scènes imaginaire super émotive. Alors, dans un sens, c'est quoi la différence entre les deux? Peu importe votre approche artistique de la photographie, que vous soyez photojournaliste et que vous ne puissiez pas retoucher ou à peine vos photos, ou que vous soyez un expert ou une experte du photomontage, je crois que le plus important, c'est d'être transparent envers les gens qui regardent vos photos. Et là, je vais terminer la vidéo avec quelque chose que vous allez peut-être juger controversé. J'ai créé la vidéo d'aujourd'hui avec des ressources en ligne d'outils d'intelligence artificielle. Elle m'a suggéré des sujets à aborder, des mots-clés optimisés pour mon titre et une description accrocheuse pour inciter les gens à cliquer dessus, ce qui est peut-être la raison même pour laquelle vous êtes en train de me regarder en ce moment. J'ai voulu partager la vidéo dans un ton le plus neutre possible, mais est-ce que ça se trouve à être biaisé parce que j'ai été aidée par l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, j'ai aucun moyen de connaître si la vidéo va avoir du succès. Si elle n'a pas, on n'en parle pas plus qu'il faut. Mais disons qu'elle obtient là un nombre incroyable de vues. Est-ce que j'en garde le mérite? Est-ce qu'au final, c'était vraiment mon idée ou pas? Est-ce que l'aspect humain, dans la réflexion, la préparation, le montage et la création du visuel de la vignette, ça rentre en ligne de compte? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le débat sur l'intelligence artificielle, ça fait juste commencer. Je serais très curieuse de savoir, vous, c'est quoi votre opinion par rapport à la photographie, par rapport à ce que vous entrevoyez dans le futur? Si la vidéo d'aujourd'hui, ça vous a été utile, je vous invite à la partager, ça m'aide à aider encore plus de photographes et à faire connaître la chaîne. Si vous avez des questions et surtout des commentaires, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!